Notre objectif est de programmer un mini-jeu où l'ordinateur apprend un camouflage pour une population d'insectes se faisant dévorer par votre souris. La phase d'apprentissage est une simulation de l'évolution génétique des gènes de couleur qui pourrait faire une espèce d'insecte voulant maximiser ses chances de survie. Donc là, on voit par exemple que ma souris dévore les insectes. Ça va être plus facile pour moi de dévorer ceux dont la couleur est très visible. Le chiffre en bas à droite indique le nombre d'insectes qu'il reste à dévorer dans cette population. Il reste 4 insectes. Probablement que les 4 insectes qui restent à dévorer sont ceux qui ont une couleur la plus efficace pour se camoufler sur cette image-là. Dans cet environnement-là, il m'en reste un. Voilà, donc la nouvelle population a été générée. La couleur que nous avons obtenue, c'est un espèce de mélange entre du vert et du jaune. Normal, car dans l'image de fond, il y a du vert et du jaune. Je vais manger la deuxième population. Il en reste un qui est bien caché. Alors des fois, il est caché derrière le menu, mais ça, c'est pas un bon exemple. Voilà. Donc vous voyez qu'au bout de deux générations, on a déjà la couleur à peu près, la couleur moyenne du fond de l'écran. Donc notre objectif va être de programmer ça en sélectionnant les meilleurs insectes, c'est-à-dire ceux qui ont vécu le plus longtemps. Et au bout d'un moment, ben voilà, tous les insectes ont à peu près la même couleur, qui est une espèce de vert jaune.